Et bonjour YouTube, bienvenue pour cet épisode 51 de Zelda Tears of the Kingdom. On continue où on s'en était arrêté. Où on s'était arrêté, tout à fait. On était en fait tout simplement ici. On allait descendre dans ce temple. Ce temple qui est le temple de la cité Gerudo, le temple électrique, le temple de la foudre. Voilà, on venait de mettre midlife le boss qui était la reine des Gibdo. Et là on allait descendre, donc on va totalement descendre. Voilà. Let's go. Alors je sais pas comment va être l'épisode d'avant. J'espère qu'il va être en entier, étant donné que j'ai eu la coupure au début de, en début d'épisode là. J'espère que ça va pas trop faire bugger la totalité du, de l'épisode, mais on verra. Ok, donc là on est ici. Ouais, y'a quoi en bas? Moi j'ai quand même envie d'aller voir en bas un petit peu. Ok. D'accord. Ouais. Non, pas de soucis, pas de soucis. Il y a des choses en bas, je vérifie. Il faut vérifier quand même. On ne sait jamais. S'il y a un truc important, au moins, on le loupe pas. Ok, on va descendre ici aussi. Okay. Ah, ça va être un petit peu plus chiant parce qu'il y a un Gibdo, mais on n'a pas le souci étant donné qu'on a ceci. Là, ok. Rien de plus, un coffre, juste là. Peut-être une carte pour les souterrains, peut-être une grande orbe d'énergie Sonao, je ne sais pas. Et si je sais, c'était une grande orbe d'énergie Sonao, tout à fait. Là, on récupère ceci. Et on va aller voir ce qui se passe ici. Deux chemins. Je te propose à nous celui-là, celui de gauche. Je propose de prendre celui-là dans un premier temps. Sachant que je vois bien un Gibdo caché derrière ces plaques juste là. Oh, le topaz brut il va faire plaisir, hein, je le sens ça. Le topaz brut, on sent qu'il est pour la reine Gibdo. Hein. Ok, pas du tout, c'était une arme. Un espadon Gerudo. Ok. Vous savez quoi, je vais le prendre. Alors, à la place de quoi, je ne sais pas, mais je vais le prendre. À la place de ça, je sais pas. Allez. Je sais pas, s'il est là, je me dis qu'il doit être. Il doit faire des dégâts quand il est neuf, et quand il est pas abîmé, donc je vois. On ira le chercher dans les souterrains après. Est-ce qu'on descend ou pas? Moi je pense qu'on peut hein. J'ai une chauve-souris électrique. Ça m'intéresse. Mince, je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu. Bravo. J'ai loupé deux fois quand même, hein. Bravo à moi. Hop. Moi si je me dis que ça se trouve c'est intéressant. Ouais, c'est quoi ça? Ok. Ok, ok. Donc finalement, pas grand chose d'intéressant. Mais bien fait de descendre parce que on sait jamais. Voilà. S'il y avait une arme trop pétée, bah je l'aurais eu. Au moins, je suis sûr qu'il n'y a rien. On ne passera pas avec des flammes pareilles.
Ah ouais, tu penses? Moi, je pense qu'on va passer, regarde. On l'a, hein. Je pense qu'on est carrément passé, en fait, hein. La voie est libre à présent. Je sais pas si c'est réellement ça qu'il fallait faire, mais moi c'est comme ça que je le fais. Des boulets enflammés. On aura tout vu. En tout cas, nous revoilà bloqués. Ok. Ça vient de là-haut, pas de soucis. Jusque là, rien de compliqué, à vrai dire. Parfait, plus de boulets. J'arrive tout de suite, Link. Ok. Une torche. Elle est où? Elle est là. Prépare ton arc. Il a cassé mon arc. On va préparer cet arc là. Adieu. Et non, ça ne marche pas. On l'a fait un peu trop tôt, je pense. Non, mais je pense qu'on va le défoncer, on va descendre. Hop, un arc Gerudo. Là, il est activé, ok. Allez, où elle est là. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il s'est passé quoi? Elle est où? Bah alors? Allons-y! Bah oui, on y va. On y va, on y va, on y va, t'inquiète, t'inquiète, on y va. Regarde, entre les deux là. Paf, doublette. Terminé. Pas du tout, dommage. Non mais il fallait tenter. Il fallait tenter, je l'ai pas eu, bah écoutez, ça arrive hein. Moi je pense que ça arrive à tout le monde. Il est où l'autre? Il est où? Il est là-bas. Hop là, il meurt. C'est bon, il est mort. Ok, ok. Et où sont sa... Où est sa carcasse? Ce guibdo là. Et elle a volé jusque là-bas, ok. Ouais, je comprends qu'il nous donne des flèches. Une ombre brute aussi, je comprends, ouais. Je comprends, je comprends. Totalement. Étant donné qu'on en utilisait pas mal pour gérer l'ulti de la petite dame. Ouais, je comprends qu'on nous en donne, effectivement. Salle de l'espoir. On va défoncer avec ça lui je pense. Oh, il se fait bouillir le pauvre. On va vraiment avoir un gros problème de bouffe hein. Ouais, ouais, non mais là c'est mort même. Là, là il y a un truc qu'il faut pas. Là c'est mort hein. Porte de golem colonel. Là c'est mort, c'est mort, c'est mort. Est-ce que j'ai encore mon... C'est un bouclier que j'avais avec... Attendez.
Ok, ok, j'ai la... J'ai la ref, comme on dit. J'ai la ref, j'ai la ref. Hop, hop. Hop, hop. On va... coller ça là-dessus. Et là, on va coller ça tout en haut. De notre magnifique statue. Qui va totalement nous servir, en fait, à contrôler cette lumière. Qui va ouvrir, bien évidemment, le chemin. Je viens de voir qu'il y avait un chemin à droite ici. Alors est-ce qu'il est vide ou est-ce qu'il est plein? Il y a un coffre. Bah j'ai bien fait de le prendre, voilà. Maintenant, il y a quoi d'autre? Des flammes ici, ok. Ouais non, en soi on en a pas forcément. C'est mon besoin. On peut remonter comme ça, donc passer par le chemin, je sais pas. Je pense pas. On a ce qu'il nous faut. Il y a ça là, ok. Au cas où peut-être on n'arrivait pas à choper l'autre ou on trouvait pas l'autre, je sais pas. Là il y a un truc en dessous, on va peut-être. Pas dû l'ouvrir en fait. Mort. Je suis mort. Il m'a loupé. Il faut tenir. Je crois. J'ai plus rien à manger, je crois. Voilà. J'ai plus rien à manger maintenant, c'est officiel. Ouais, il va falloir que je trouve un truc parce que faire un boss avec deux cœurs, ça va être très très compliqué. Et on arrive tout juste au... Non mais si, ça va être bon en fait. Regardez. Parce que là, on arrive tout juste au sanctuaire. Link, je suis certaine que la fresque de la cité avait pour but de nous guider jusqu'à ce temple. La personne qui s'est adressée à nous devait donc être quelque part ici. Je vais appuyer ici pour activer le temple. Mais on ne va pas le faire. T'as vu? Le sol s'est déplacé avant de revenir en place. Toi, ma descendante. Ce mécanisme est relié au sommet de ce temple. Si tu charges les quatre accumulateurs grâce à ton pouvoir, tu pourras l'activer. Suis mes indications. Aucun doute, cette fois-ci, c'est bien à moi que s'adressait cette voix. Alors il faut charger 4 accumulateurs grâce à mon pouvoir de la foudre. Le monstre de tout à l'heure s'est envolé vers le sommet du temple. Si le mécanisme est bien relié au sommet en question, comme nous l'a dit la voix, nous avons tout intérêt à l'activer. Ainsi, nous devrions retrouver notre monstre et nous apprendrons peut-être davantage sur cette voie. Link, il faut que tu m'aides à atteindre le sommet. Pour commencer, suivons les instructions de la voix et cherchons les accumulateurs. Pour commencer, on ne va pas chercher les accumulateurs, je suis extrêmement navré. On va aller plutôt en fait chercher de la bouffe. Les gars, on va chercher de la bouffe. Sortir. Je peux forcément. Forcément, je peux sortir. Il y a forcément un moyen. 100%, je peux sortir. Je suis obligé. Je peux pas être bloqué ici. Maintenant que j'ai le TP, je peux faire demi-tour.
Hop. J'espère que vous voyez quelque chose, en tout cas dans les endroits un peu sombres. Je pense surtout à ici ou ces choses là. Là par exemple, est-ce que vous voyez quelque chose là? Je pense que oui, mais pas grand chose. Fait là. En fait, sans bouffe, on pourra rien faire. Là, il nous faut trop de la bouffe. Hop. Alors, on va aller. Où est-ce qu'on va aller? À la plaine d'Hyrule? On a de la bouffe un peu? On a le... Ouais, non, mais en fait, si. On a, il y a des endroits où il y a, de la forêt. Et je pense que la plaine d'Hyrule est pas trop mal pour ça. On va même aller ici. Je préfère ne pas m'éloigner. Rejoins-moi plus tard. Tout à fait. Y a pas de souci, je suis désolé, épisode frustrant sûrement pour vous. Étant donné qu'on va faire de la bouffe et pas partir dans le donjon, aïe aïe aïe. Mais on le fera soit fin d'épisode, possible, on commence le donjon fin d'épisode. Ou alors, je fais un gros cut dans la vidéo, le temps de chasser de la bouffe. Ah vraiment, je sais pas quoi faire. La question se pose réellement, est-ce que je fais un gros cut et je fais de la bouffe ou est-ce que... Je vois. Toi tu vends quoi toi? Bienvenue, machin, champi, je veux acheter. On va tout prendre. Champi d'Hyrule, hop là. C'est bien, ok. Regardez là, là. Okay. C'est bête, hein, mais c'est de la bouffe, ça. Hein. Ok. Champion, heureusement que j'en ai pas acheté. Regardez ce qu'il y a au mur. Il y en a dans la forêt Korogu, on avait un endroit, non? Alors c'est où? C'était, il y avait un endroit où il y avait plein de... choses, non, je crois. Je crois que vers le village... Pas le village de Zéro, mais le village de... Comment il s'appelle ce village? Elimite, tout à fait. Doit y avoir un petit peu de bouffe parce que si je me rappelle bien, au pied de cette de ce village, il y avait pas mal de forêts où on pouvait chauffer on pouvait choper quelques sangliers. Je dis pas de bêtises, il y a des sangliax. Donc là c'était notre maison à l'époque de Breath of the Wild. On fera peut-être après, les gars. Ça c'est comme vous le décidez. Vous voulez le faire après, on peut le faire. Moi il n'y a pas de, sushi. On peut se faire un petit Breath of the Wild après, les gars. À la fin de, let's play Tears of the Kingdom.
J'avais pas j'avais pas la carte d'acquis. Enfin, la carte d'acquis, même si c'est pas réellement une carte d'acquisition, mais. J'avais pas le matériel pour streamer. Breath of the Wild, du coup je l'ai pas fait. Mais si je l'avais eu, je l'aurais fait. Et ouais, si je l'avais eu, je l'aurais fait, voilà, tout simplement. On est de ce type ou pas? Ça ne peut absolument pas tomber. Et oui, c'était impossible en fait. Que ça tombe. Merci à moi, bien joué à moi. Et voilà. Grâce à toi, il est solidement en place, ce qui veut dire que je n'ai plus besoin de le tenir. Oh, joie aux libertés, tiens, pour te remercier, un rubis rouge. Des boulettes. Et... une fleur de confusion, tout à fait. J'avais oublié qu'il donnait de la bouffe, mais c'est vraiment le top du top en fait ce truc. Je cherche de la bouffe et le mec il fait quoi? Il m'en donne. C'est mon meilleur pote en fait ce type. Ah. Hop. Là là. Là. Ah, je suis mort. Je pensais. J'avoue que je pensais que j'étais mort. Putain. Ça devait arriver un moment. Et c'est maintenant que ça arrive, malheureusement. J'espère que c'est juste après la discussion avec ce cher Grosaille. Enfin, pas Grosaille, mais l'autre. T'as capté. Tout à fait. Impeccable. Impeccable, impeccable. On se retrouve là. Du coup, lui, direct, on le tic. Alors non, pas du tout. Voilà. Et moi, je pensais avoir le temps de sortir mon arme et de taper sur sa gueule. Gentiment, bien évidemment, toujours. Mais non, je n'ai pas eu le temps, malheureusement. C'est pas grave. On va déjà récupérer ça. Hop là, hein, tac. Compliqué ça. Il va même falloir faire très attention là. Et où il est là? Tiens! Il est où? Prince, il est où? Il est tombé? Il est mort? Pas du tout mort, il est juste là en fait. Il est juste là. On va mettre un truc qui peut lui faire des dégâts. Ça par exemple. Ou alors ceci. Hop, double headshot là. Double headshot, il a pas dû kiffer hein.
J'ai arraché son sac et du coup on n'a pas ce qu'il y avait dedans, dommage. Tristesse. C'est pas grave. Wow, wow. Qui me suit? Qui me voit? Qui me vu? Lui. Tac, meurt. Merci. Merci de l'avoir tué. Oula, ça c'est pas cool. Et ça, encore moins. Hop, okay. Ça en fait ça va. Ok, ça c'est bon. Il y a un cerf juste là. Il y a deux cerfs même. Quel envise ! Lui ! Pas lui ! Pas eu, dommage. Ah, on va l'avoir. Là ! Non, là ! Là ! Dommage. On va l'avoir, j'ai confiance. Il a disparu ? Il est où ? Je le vois plus du tout. Ok. Le fait que je vois plus le cerf, c'est un peu problématique. Je vois pas comment je peux chasser un animal que je vois pas. C'est barré, hein. Pas très grave, hein. Il peut partir, moi je m'en fiche. Hein. C'est pas mon pote non plus. Hein. Tant pis là. Des oisals. Ok. Là si je peux les tuer, les poules. Je peux pas. Alors, on prend ça, ça, ça. On va essayer de faire des choses comme ça un peu, de toute façon. Essayer d'avoir un minimum de bouffe, ça serait pas mal. Plus de vitesse. On va... Oh, mince. On va en enlever... Ah, j'ai pas y arriver. Retirer. On va en retirer deux. On va mettre du sel. Impeccable. On va prendre ceci. Hop, on va en mettre trois. Sel. Oh là là, c'est parfait ça. On va prendre ça, ça. Et on se met deux petites. Des quoi ? Des tempos ? Ouais, je mets 3 tempos avec. Oh là là, regardez-moi ça ! Gucci, on est Gucci ici ! On va être pas mal en termes de bouffe. Même si je pense qu'il va en falloir un peu plus, je pense qu'on sera déjà pas mal. Pas mal. J'aimerais juste voir s'il n'y a pas. Ouais, vous voyez là, là. Genre. C'est pas même. Tu veux des citrouilles, va acheter à l'épicerie, c'est à droite. Ok, un village. On va aller au village, on va acheter quelques un petit peu de bouffe. Pareil, les carottes. Après tout chemin, un machin, ok. Là-dedans, il y a des pommes. Désolé, pas ça que je voulais faire. Est-ce que... Ok, il y en a une là. École, ok. Je vais pas tarder à éternuer là.
Ça c'est pour faire dodo. Ah oui, l'épicerie du coup. Peinturerie, commerce, boutique de machin, école, ferme. Ça se passe ça là-bas l'épicerie? Ce serait là-dedans. Excusez-moi, ça me gratte le nez. Ok, c'est là, tout à fait. J'ai pas lu. Faudra que je lise ce qu'il m'a dit. Un moment. Parce que je sens que ça va me servir quand même. Ok, ça... Moi je pense qu'on va tout lui acheter. Hein. Moi je suis chaud. Hein. Je suis chaud, on lui achète tout. Hein. Regardez. Voilà, on l'a ruiné le mec, il a plus rien. Il y a quoi à l'étage? Pas mal hein. On a ruiné un mec. On a fait la bouffe il y a 5 secondes là. On est monté par là non? J'ai plus. Où j'étais? J'étais dans le coin non? C'est pas grave, on va chez moi. De toute façon, j'ai un sanctuaire juste à côté de chez moi, donc on va passer chez moi. Je pense qu'on va faire ça, les gars. Je vais faire un petit peu de bouffe. Et puis, je vais peut-être en refaire moi personnellement en offline. Peut-être un petit peu de bouffe en offline. Peut-être quelques sanctuaires. Et je pense que pour l'épisode prochain, on se retrouvera. On se retrouvera pour faire le donjon. Simplement, le sanctuaire. Hein. Enfin, c'est pas un sanctuaire, hein, c'est un temple. Je pense qu'on se retrouvera pour le temple. Hein. Tout simplement. Ouais, si on va faire des combinaisons comme ça les gars, ça va faire. Hein. Un poisson vapeur protecto. Oui c'est beau hein. Œuf, lait, ça. Blé et beurre, ça fait quoi? Ça fait des crêpes. Enfin un œuf au plat, ok. Si je prends ça et que j'ajoute de la citrouille. Ok, et si je prends ça et que j'ajoute une pomme en or. Et si je prends ça et que je rajoute un peu de sel. Là où sel, non? Un risotto aux champis. Et si je prends du sel. Je suis en train de faire la bouffe en fait là. C'est pas mal, il me faut des trucs, il me faut tout ça là. Hop. Tomate en plus pour le plaisir.
Un shotnet de fruits, ouais. On va pouvoir tempo à fond. Moi les gars, c'est décidé. Je vais vivre ma vie au soleil. C'est là que je résiderai. Pardon. Je vais faire de la bouffe hors live. Et comme ça, quand j'aurai pas mal de bouffe, on ira se faire le fameux donjon qu'on était en train de faire il y a quelques secondes. Voilà, on va faire ça. Ça va être plus simple. Je vais peut-être me faire quelques potions aussi, je vais voir. Enfin ça, je suis pas trop fan des potions, en réalité. Mais je pense qu'on va faire ça. Ça fait quoi si je fais ça? Ok. Oh, je voulais être sûr, hein. Et si je fais ça, 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 ça. Non. Oh! Et il fait deux cœurs celui-là, hein. Pas mal, hein. Allez. J'arrête mes bêtises. On s'arrête là. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode 51. Épisode un peu plus court, il fait 36 minutes. C'est déjà pas mal. Hein. Je m'arrête là. Je vous remercie d'avoir suivi l'épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter sur YouTube. N'hésitez pas à faire tout ça, tout ça. Et moi, je vous dis à la prochaine. Donc, normalement, on a dimanche, on a mardi. Donc, c'est mercredi, c'est jeudi. À jeudi. Après, vendredi, samedi, ouais, c'est ça. À jeudi pour le donjon. On fera le donjon jeudi. N'oubliez pas l'épisode de jeudi. On démarre le donjon des Gerudo. Et ça va être une sacrée tuerie, je pense. Je sais pas du tout, en fait. Donc à jeudi pour le temple Gerudo. Ciao, bye bye.